Salut tout le monde, ça dépend de quoi tu vas prouter. Et je dis à mon côté pour poisson gros sel. Et on va nettoyer poisson, non? Et ça, c'est un ingrédient que j'ai bien besoin pour me décorer avec pour mettre là-dedans. Ça, c'est un petit échalote pour mettre dans un petit acide pour me faire des couleurs. Ça, c'est gros sel que je vais l'utiliser. Pour poisson citron, on va l'utiliser pour poisson. Je nous kawe, nous avons nettoyé poisson en la ville, mettez-le dans le sel avec citron pour le cap pour celle qui entre là-dedans avec bon jus citron. Et puis nous conserverons jus citron pour mettre dans l'épice. Ça, c'est un petit épice que nous avons fait spécialement pour poisson. Je noue là et Charlotte m'a pris une belle couleur. Là, ma paille m'a venu son. Baba nous tout détail. Mon nous qu'on nettoie poisson nous déjà très bien. Donc pour vidéo pas trop longue, bah nous essentiel. Et je nous carré là poisson bien mariné. Et puis moi j'ai tout ça besoin là-dedans pour mariner poisson. Qu'on y a là, on va juste mettre 8 pour me présenter. Nous sommes au carré là, on va cuire poisson. On va ajouter un peu d'agneau, mettre aussi. On va ajouter un petit beurre ça a bien l'ail et persil qu'on a dedans il y a bon on va ajouter un petit beurre là-dedans et ensuite on va le retirer quelques ingrédients pour décorer ça. On a besoin de cabane ça pour mettre les poissons dans le coucher pour le dodo meilleur. On va quitter le bon bambou, on va le couvrir, on va quitter le warm. Oui, pour ne pas casser parce qu'il faut le carré de ferme. Ok, moi j'ai utilisé ça pour me virer. Nous avons viré le bord pour bon ça capable de cuire aussi. Je fais. Je vais faire là. Poisson non paré. On va le présenter mon lit. Voilà notre poisson gros sel. Le résultat, un petit sauce.
déguster fort. Prends à déguster. Merci de ce côté. Prends ton pour te garder nous. Partagez, share avec l'autre ami. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.